Eh bien, mesdames et messieurs, donc place au Yearling Mall pour cette première section qualificative pour les championnats. Nous rappelons que vous assistez à la toute première édition de ce qui est appelé à devenir certainement un très joli concours. La City of Kings Show, c'est un show arabe international. EKOC, nous avons deux poulains en concurrence pour cette classe. Et on démarre par un premier défilé autour des juges qui leur permet de se faire une idée du niveau de la classe. Les poulains regagneront ensuite le paddock, puis reviendront dans l'ordre du catalogue, des numéros de catalogue, pour se présenter individuellement. Une fois en piste, ils partiront tout de suite pour un grand tour au trot. Je vais vous montrer cette allure aux juges. Ils viendront ensuite se poser et seront inspectés dans les détails, de très près par les juges. Il y aura un aller-retour demandé au pas. Un dernier arrêt avant de regagner le paddock. Nous annoncerons les résultats et au fur et à mesure du passage de ces chevaux. Voilà, donc place à nos jeunes, aux yearlings. Très bien présenté, pleine peau. Dans ce magnifique écrin de verdure qu'est le grand parquet de Fontainebleau. Un écrin que Fontainebleau Grand Parquet met à la disposition de l'élevage, qui est également sa vocation. A short announcement for the handler. You have the wrong number on the back, so that will be changed for you in the collecting ring. So please go to the DC to collect your number. Il y a un numéro erroné donc sur le dos de ce présentateur qui sera changé avant son passage individuel. Attendons en piste, donc le premier concurrent, ce sera le numéro 34. Number 34 to go. C'est parti pour le tour au trot pour ce premier concurrent numéro 34.
Voilà, très à l'aise sur le gazon du grand parquet. Il va venir se placer devant les juges. À l'arrêt. Toujours un moment très important que cette inspection de détail va permettre au juge de donner donc les 5 notes traditionnelles à chacun des concurrents. Une note pour le type de race. Type de race qui, dans le cas du cheval arabe, se voit dans la tête, le port de queue, l'élégance, la qualité générale, les tissus du cheval. Il y aura une note pour la tête et l'encolure, qui est une note commune, une note pour le modèle, une note pour les aplombs, et enfin pour le mouvement, c'est-à-dire pour le trot et le pas. Là, nous en sommes à l'aller et au retour au pas. Voilà, après ce dernier arrêt pour les juges qui leur permet de vérifier leurs notes. Le poulain va laisser la place au concurrent suivant. C'était donc le numéro 34, il représentait la France. Propriétaire Mathieu Milou. Next to go, number 36. And there he comes. The first stand up for number 36, second and last to go in this first section, Yearling Colt Class, sponsored by Al Khashab Stud from Kuwait. Detailed inspection of conformation type, quality of tissues. Colt is asked to walk on a straight line. Check the correctness of the legs.
Ideally, we should have a nice long and flowing walks, not always easy to obtain. They're young colts, just 1 year old. They have time to adapt to new surroundings. Le retour au pas. Voici les notes de la première, du premier concurrent, le numéro 34, Jovel. Pour le type, 19,5 partout, Unanimous 19.5 et number 34. Head and neck, tête et encolure, 19, 2 fois 19,5, 19, double 19.5. Body, 18.5, double 18, 18,5, 2 fois 18. Pour les aplombs, 15,5, 16, 15,5, 15.5, 16, 15.5. Pour le mouvement, 19,5 partout. 19, unanimous for movement, with an excellent total of 92.17. 92-17. 92-17 pour le numéro 34. Il s'agissait de Jovel pour la France et Mathieu Milou. Thank you. That was number 36, the last to go in this Colt class sponsored by Al Khashab Stud. TSL Majid, representing the United Kingdom, owned by Mr. and Mrs. MacArthur. In a few moments, we'll have his results and the lineup and prize giving ceremony. This program is offered by que les scores finaux qui vous sont donnés lors de l'annonce des résultats, c'est une moyenne. Donc les juges sont inscrits par leur lettre d'appartenance. Cette classe 5, c'était le juge B, C et D. Et vous retrouverez la liste de ces juges dans votre programme. Les notes pour TSL Majid pour la Grande-Bretagne. Pour le type, for number 36, for type, 19.5 twice and 20. 19,5, 19,5 et 20. Head and neck, tête et encolure. 19,5 partout, unanimous 19.5. Body, double 18, 18.5, 2 fois 18 et 18,5. Pour les aplombs, 15,5 partout, unanimous 15.5 for legs, and for movement, 19.5 twice, 19 et 2 fois 19,5, et encore le très bon total de 92-17, donc ex aequo. Ils seront départagés par les notes attribuées pour le type. Eh bien, la note de type a rendu son verdict et nous appelons les gagnants. Le vainqueur, c'est le numéro 36, Majid, pour la Grande-Bretagne. TSL Majid wins this class over the type mark. We split the tie between those two lovely colts. TSL Majid and Joel Double M for France at the second place, both of them with 92.17. Ex aequo avec 92-17, départagé par la note de type en faveur de TSL Majid.
que nous appelons en piste, s'il vous plaît, pour la remise des prix. Very, very close indeed. Donc c'est le règlement des championnats, enfin des classes, des concours de pur sang arabe régis par l'ECAO au niveau européen et international. Donc en cas d'ex-aequo dans une classe qualificative, c'est la note de attribuée au type pour le type qui départage. Si les poulains n'étaient pas départagés par cette note de type, ça aurait été la note de mouvement. Et si ça n'avait pas été suffisant, il y aurait eu un juge désigné par ses collègues pour départager. Mais en attendant, c'est la note de type qui a parlé et c'est TSL Majid avec lequel nous sommes actuellement. C'est un fils d'El Ganador et Melia par AJ Mardan, né chez Madame Lisa Marie Heckenbücker en Allemagne et propriété de Monsieur et Madame MacArthur pour la Grande-Bretagne. For the UK, TSL Majid, owned by Mr. and Mrs. MacArthur, and shown by Miles Buckley. À la seconde place, mais vraiment ex aequo, un très méritant, Joel MM par Jewel RC et Haifa Radiat par IKS Alejandro. Présenté par son présentateur, si j'ose dire, si l'on peut appeler ça comme ça, il a été présenté par son propriétaire, qui est aussi son éleveur, Mathieu Milou. Shown by his breeder and owner, Mathieu Milou, for France, Joel Double M by Jewel, out of Haifa Ladiad by IKS Alejandro. Two very deserving colts for a beautiful mano a mano. Bravo à tous les